ce mois de novembre 1573, arrive à la Goulette un général de l'artillerie impériale et ingénieur milanais du nom de Gabriele Serbelloni. Il débarque avec pour mission mettre en place une forteresse protégeant la ville de Tunis, sécuriser les lieux pour maintenir le protectorat espagnol sur le sultanat Hafsid qui dure depuis 1535, date de la prise de Tunis par Charles Quint, roi d'Espagne. La forteresse s'appellera Nova Arx. Elle sera construite à Tunis. Elle fera face au fort de la Goulette à Arx, celle qu'on nomme aujourd'hui Caracas, et également le fort espagnol San Diego, construit sur l'îlot de Chicli. Gabrio ou Gabriele Serbelloni est au service des rois d'Espagne. Il s'est brillamment distingué par ses victoires dans plusieurs grandes batailles en Europe, dans celle de Lépante contre l'Empire ottoman en 1571. Bataille menée par une coalition chrétienne et dirigée par le fils naturel de Charles Quint, Don Juan d'Autriche, qui avait à cette époque à peine 27 ans. Don Juan d'Autriche se fera introniser roi de Tunis et nommera Serbelloni gouverneur et vice-roi de Tunis. Ici, il est nécessaire de faire un petit rappel historique. La Tunisie, en ce XVIe siècle, s'appelait Ifriqiya, où régnaient les sultans Hafsides, depuis le XIIIe siècle. Or, le 13 août 1534, Barberousse, celui qu'on appelle l'émir de la mer et qui est au service de l'Empire ottoman, jette l'ancre devant la Goulette, avec une importante flotte, et fait aussitôt répandre le bruit qu'il est accompagné de Rachid, le prince légitime, qu'il souhaite placer sur le trône Hafsid, usurpé par le frère cadet Abul Hassan. Il fait débarquer 9000 hommes et s'empare de la Casbah de Tunis. Il y proclame la déchéance de la dynastie Hafsid et l'établissement de l'autorité ottomane dont il se déclare le représentant à Tunis. Mais en réalité, Rachid, qui avait demandé secours aux Ottomans pour prendre le trône de Tunis, a été séquestré à la Porte Sublime. Et voilà que Abu Hassan s'empresse à aller à Augsbourg pour demander le soutien de Charles Quint pour reconquérir le royaume de Tunis. Et c'est la bataille de Tunis de 1535, menée par une expédition de 412 bâtiments et 33 000 hommes. En 1569, Alouja Ali, vient de la régence d'Alger, parvient à prendre Tunis. Mais la garnison espagnole de la Goulette résiste jusqu'à l'arrivée, en 1573, d'un corps expéditionnaire de plus de 20 000 hommes mené par Don Juan d'Autriche. Celui-ci reprend Tunis, qui est saccagé pendant 3 jours, et en rétablir sur le trône Moulay Mohammed, fils de Moulay Hassan. Le portrait officiel de Don Juan d'Autriche est immortalisé par ce lion de l'Atlas, un cadeau du roi Hafsid. On frappe même une monnaie avec son effigie en tant que roi de Tunis. Serbelloni avait 65 ans à son arrivée à Tunis. Il avait déjà derrière lui une longue carrière et plusieurs titres. En effet, il est capitaine, général de la garde des papes, gouverneur de Borgo, surveillant des forteresses du siège apostolique, a participé à la reconstruction de la Civita Vecchia de Rome, chevalier de Malte, prieuré de Hongrie, gouverneur de Anvers et de Luz. Or, dès le printemps de 1574, le sultan Selim II décide de mettre un terme définitif à la présence espagnole en Afrique du Nord. Pour cela, il charge le vizir Sinan Becha et le capitaine Alouja Ali de mener à bien une expédition contre Tunis. Le contingent ottoman débarque sur les côtes du golfe de Tunis en juillet 1574, sans aucune difficulté, vu que le roi d'Espagne, Philippe II, n'envoie aucun renfort pour soutenir la garnison espagnole. On peut supposer que sont là les prémices de la déchéance de l'Empire espagnol. Philippe II décide même de se désister de Tunis et ordonne la destruction des forteresses construites. Mais Don Juan passe outre et ne démolit rien. Serbelloni va ainsi mener une bataille déloyale, il faut le reconnaître. Car avec peu de moyens humains et peu de munitions, Serbelloni résiste durant les 2 mois d'été. Jusqu'à l'ultime date, celle du 13 septembre 1574, au sein même de la Nova Arx, se passe une scène inédite, celle de 3 Italiens qui se retrouvent. Les vainqueurs d'un côté, ottoman, Sinan Becha, qui est milanais du nom de Visconti, Alouja Ali Becha, calabré du nom de Giovanni Dionaggi Calleni. Ils sont ce qu'on appelle des Turcs de fonction, et Gabriele Serbelloni, lui aussi italien milanais, mais défendant le drapeau espagnol. On parlait ce jour-là italien, ironie du sort, mais chacun sous un étendard différent. Cette date marque la dernière bataille des Espagnols et Serbelloni se retrouve prisonnier et emmené à Istanbul. Il sera libéré après une année de captivité suite à un échange de prisonniers, bien qu'il fût reçu avec honneur et résidera chez Sokolu, le grand vizir de Selim II.
Le 13 septembre 1574, la Tunisie devient ainsi province ottomane. De Ifriqiya sous les Hafsides, la Tunisie devient ainsi El-Iyela Tunseya sous les Ottomans et annexée à l'Empire ottoman en tant que province ottomane. Un point si étonnant. Serbellone, le dernier vice-roi de Tunis, un titre qui va se perdre à jamais, car avec son départ coïncide la chute du sultanat Hafside et l'installation des Ottomans à Tunis. Il est cité par Miguel Cervantes dans son monumental Don Quichotte, où l'auteur raconte la période passée par Serbellone à Tunis, vu que les deux hommes étaient ensemble lors de la bataille de Lépante. Le départ de Serbellone va aboutir à de grands changements, dont le plus important est le nom de cette terre, qui ne s'appellera plus Ifriqiya. Les conséquences territoriales immenses aussi, puisqu'elle va devenir trois pays différents, Alger, Tunis et Tripoli. Serbellone va aussi clôturer l'ère chevaleresque du Moyen-Âge, et voir l'époque moderne qui s'installe avec des enjeux politiques énormes pour l'ère méditerranéenne. Le XVIe siècle, riche en remous, pas seulement dans notre Ifriqiya, mais pour toute la région. Une période qui verra le passage du Moyen-Âge vers l'époque moderne. Les Ottomans, dès leur installation, s'empressèrent de démolir la Nova Arx et ôter toute trace de cette forteresse qui n'a plus de raison d'être, puisqu'ils sont désormais les maîtres du pays. Je décide d'aller au lieu de la Nova Arx à Tunis, une forteresse qui a été construite et détruite en une seule année. Mais aujourd'hui, ce lieu s'appelle Tunis Marine. On y a construit la station du train de banlieue, Tunis Goulette La Marsa. On y trouve aussi les baraques des marchands de fleurs. Le manuscrit tant recherché est enfin retrouvé de Serbellone, l'ultima guerra combattuta del cristianismo nella Tunisia. Cela ressemble à une invitation à raconter ce passé méconnu.